après Roger, ça fait au moins 4 ans maintenant, non? Eh oui. T'es rangé des voitures, quoi. Oh, disons que j'ai échangé la Ferrari contre la Rolls. Et tu ne regardes pas le bon temps des 2000 à l'heure? Oh, si tu... je crois même que le bon temps, c'est maintenant qu'on profite. Ouais. Pardon. Et qui nous dit qu'un de ces jours, on ne le retrouvera pas comme un monde de bord, hein? 150 tonnes et 180 passagers à bout de bras autour de la planète. Ça n'est pas intéressant? Juste. Et Ernest, on n'emmène pas au Pérou? Si, si, là. Mais quand il a su qu'on avait projeté un film, il n'a pas voulu bouger. Et vous allez y faire quoi au Pérou? Ben, ils ont acheté des Mirages là-bas. Alors on va les tester en mission opérationnelle. Alors qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je travaille pour les Péruviens. J'ai même épousé une Péruvienne, la seule qui a les yeux bleus. Ah, c'est inouï, ça. Oui, quand j'ai dû quitter l'armée, j'ai décidé de tenter ma chance là où on ne me connaissait pas. Alors j'ai choisi le Pérou. C'est un pays neuf. Ici, on peut encore réussir très vite, même quand on repart à zéro. En 3 ans, je suis devenu conseiller technique de l'armée de l'air péruvienne. Et naturellement, péruvien. Oh, presque. Ah, vous pouvez pas savoir comme j'ai été content, et puis soulagé, quand j'ai appris que c'était vous qui veniez comme pilote d'essai. Et ben voilà, les enfants, on y est. Oh, c'est immense ici. Oh, c'est ici que se trouvent les Mirages. Ils nous arrivent de France en pièces détachées et nous les assemblons. De la chasse ici? Non, non, il y a aussi une escadrille de chasseurs bombardiers, des Canberras. Ah, je les vois, ils sont chouettes. C'est super. Okay. Ah! Voilà l'Arco, dit Chino. La verdure. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tanguy. Ça va? Bonjour, ça va. C'est notre grand spécialiste Mirage. Il travaillera directement avec vous. Vous avez fait un bon voyage? Oui, très bon, merci. Oui, il fait un peu chaud, mais enfin. Ah oui, ça. Allez, allons voir les avions maintenant. Oh, aller voir les Mirages, ouais. Dis donc, c'est toujours la même chose, les Mirages. Moi, je préfère aller voir les Corbeaux. Tanguy, hein? Bon, allez, salut. Alors, bonne promenade. On y va? On y va. José, hola. Tanguy. Que tal? Bien, bien, bien. Mon meilleur mécano. Dites-moi, Merlet. Oui? Ce truc-là, ça ne fait pas partie de l'équipement standard de l'avion? Oh non, non. Non, ça, c'est une invention à moi. Un calculateur de tir et de navigation autonome, avec radio-altimètre intégré. Ben, ici, nous ne possédons pas de radar et... Ce sera indispensable si nous voulons toucher l'objectif avec une efficacité suffisante. Ah oui, évidemment. L'ennui, c'est que l'avion n'a pas été conçu pour ça. Ah, je sais bien. C'est pourquoi, n'ayant plus de place dans le fuselage, j'ai laissé intact le bidon gauche de kérosène et j'ai logé l'essentiel de mon système dans le droit. Notamment, ce système autonome d'alimentation électrique. Mais celui de l'avion est trop chargé, les alternateurs sont trop petits. Ça doit peser un poids terrible, tout ça, non? Bien plus que le bidon symétrique sous l'autre aile. Et le déséquilibre n'est pas trop grand quand il se vide? Non, je crois que la puissance de l'avion le permet.
Délicat. D'autant plus que ça doit augmenter terriblement la traînée de l'aile. Et c'est au point? J'ai pas essayé. Vous savez pourquoi? Je ne vole plus sur Mirage. Je compte sur vous pour le faire. Oh, vous savez, Tanguy, avec ce système, on devrait décupler l'efficacité de nos Mirages. Ah, évidemment, j'ai eu tort d'en parler un peu prématurément. Tout le monde s'est enthousiasmé à l'état-major et ma réputation et même ma situation sont en jeu. Mais j'ai une confiance absolue. Je suis prêt à prendre tous les risques. Oui, je vois. Ce viseur est peut-être prodigieux, mais comme ça, il est sûrement dangereux. Il déséquilibre trop l'avion. Et à basse altitude, ça peut être dramatique. Je sais tout ça, Tanguy. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous attendais comme le messie. Il y a beaucoup à faire. Oh oui. Bon, ben, on va l'essayer, votre système, hein. Enfin, au moins une fois. Et puis on verra. Mais ça me paraît très tangent. Hein. Non, non, vous verrez, ça marchera. Il va faire un passage au-dessus de la piste, au ras du sol. Tiens, le voilà. J'ai du mal à tenir l'avion en ligne de vol. Il dit qu'il a du mal à tenir l'avion en ligne de vol. C'est un vrai casse-gueule, votre truc, hein. Gracias. Au-dessus de 250 nœuds, on peut encore le tenir, mais alors, en dessous, c'est le dérapage total. Mais il doit bien exister un moyen de le compenser, non? Non, je vois pas. Il faudrait tout reprendre à zéro. Essayons de trouver une solution ensemble. Non, ne comptez pas sur moi. Je n'y crois pas, votre truc. Michel, vous êtes le seul qui puissiez m'aider. Non. N'en parlons plus. Tiens, la voilà. C'est pas joli, ça? Un vrai petit sax. Ah, je reconnais bien là vos talents, professeur. Ah. C'est brillant. Espionage, hein? Sont les pilotes français qui essayent les mirages? Ah oui? Mon frère m'a dit que c'est vous les pilotes qui essayez les mirages. Oh, mais il en sait des choses, votre petit frère. Oh, il est fou des avions, c'est sa passion. Il me traîne ici chaque fois qu'il peut. Mais il est timide. Il est timide. Et vous, vous êtes timide? On pourrait peut-être faire les présentations. Ah, avec plaisir. Ernest, Michel et... Moi, c'est Maria et lui, c'est Aldo. Oh, très bien. Alors, on va aller faire un petit tour. En avion, hein? Baptême de l'air, hein? Que dice? Que vas a dar una vuelta en avion. Si, si, bueno. Oh, il sera fou de joie. Ah non, mais tous les deux. Tous les deux. Aldo. Tous les deux. On va louer un avion. Et Ernest va t'emmener. Van a alquilar un avion et Ernesto te va llevar. Muchas gracias, señor. Oh, de nada. De nada, de nada. De nada. Merci encore. Oh, mais il est ravi. Bon. Bon, ben moi, je vais tenir compagnie à Maria. Surtout, hein, ne t'inquiète pas. Allez. Bon, mais on y va, mais pas longtemps, hein. C'est même plus amusant que l'aéroclub, non? Oh, ça, oui. Oh, mon Dieu, mais ça fait 2 heures que nous sommes là. Et Aldo? Oui, Ernest est avec lui. Hola, Maria. ¿No me presentas? No te había visto, tío. Estabas demasiado ocupada, querida. Don Leonardo, tu manierera. Michel Tanguy, aviador francés. Hola. Y Aldo. Está tomando bautismo de aire con un amigo de Michel. Justamente vamos a buscarlo. No es una situación del todo normal.
No le gustaría mucho a tu padre, niña. ¿Qué te parece? Oh, Ernest. Moi, je croyais te rendre service, moi. Tu tenais tellement à faire voler le petit que... Ah, t'es un vrai saligo, toi. Hein? Ça, quand je pense que j'ai eu la bonté de t'emmener avec moi à l'aéroclub, pour un bel hypocrite, t'es un bel hypocrite. Comment tu dis ça en espagnol? Je ne sais pas, mais je te signale que demain, j'ai retenu un avion à ton nom et j'ai promis à Aldo que tu l'emmènerais. Oh. Et ne profite pas de la jalousie pour secouer un innocent dont la sœur est folle de moi. Oui, folle de moi, t'as compris? Oui, très drôle, très drôle. Tiens, regarde. Merlet, il recommence à voler. Oui, regarde avec l'arco, il en met un coup. Je me demande s'il raccrochera un jour, ce sacré Merlet. C'est pas ça. Il y a autre chose là-dessus. Merci, l'arco. À demain. C'est de la folie pure, ça fait 3 ans qu'il n'a pas volé. Et tu sais pourquoi? Pour faire lui-même l'essai de son viseur. Tu parles. À Dijon, il a été quand même instructeur sur Mirage. Alors il pourrait facilement repasser ses qualifications. Mais tu ne te souviens pas qu'à Dijon, on l'avait interdit de vol pour raison de santé, non? Moi, je trouve qu'il est en pleine forme. Faut pas qu'il continue. C'est quand même toi qui l'as poussé à remettre ça. Qui? Quoi, quand même? Bon, involontairement, c'est quand même toi. Il t'avait demandé de l'aider à remettre son bidule au point. Ouais. T'as refusé, non? Bon. Moi, je lui ai proposé, il n'a pas voulu. Oh, toi, ne mets pas ton nez là-dedans. C'est un vrai suicide. Mais, quand il a failli se faire buter pour nous, à Dijon, il les avait peut-être calculés, ce risque. Oh là là, oui, oui. Vous croyez que c'est bien prudent d'avoir lâché Merlet seul? Ça va très bien. Je n'en suis pas si sûr que vous. Vous êtes inquiet? Un vieux réflexe. Je connais Merlet depuis si longtemps. Tiens, le voilà, suivez-le si vous êtes inquiet. Il est en finale. Tiburón 1-2, punto inicial. Tiburón 1-2, autorisation d'atterrissar. Qu'est-ce qui se passe? Il est fou? Qu'est-ce qu'il attend pour sortir ses roues? Merlet, nom de Dieu, votre train n'est pas sorti. Remettez plein pot. Remettez plein pot. Qu'est-ce qui lui a pris? J'espère que lui le sait, au moins. Vous vous imaginez tout de même pas que j'allais me poser sur le ventre? Vous étiez si bas, j'ai cru à un oubli. Ça va pas, l'arco? Évidemment, j'aurais dû me douter que... J'ai parfaitement remarqué que mes roues n'étaient pas sorties. Mais comme j'étais court en pétrole, ben j'ai essayé jusqu'au dernier moment d'abaisser le train en manœuvrant la pompe à main. Et le second coup, ça a marché? Oui. Il doit y avoir un faux contact au système de commande de train. Très certainement. Oui, ben je vais voir ça tout de suite. Pas à moi, Merlet. Pardon? Vous ne me ferez pas avaler cette histoire de panne. Il faut raccrocher maintenant. Vous n'êtes plus en état de voler sur jet. Oh, foutez-moi la paix, vous voulez? Merlet, nous ne sommes plus des gamins. Dites tout de suite que je suis gâteux. Non, mais il y a 4 ans à Dijon, vous avez bien été rayé du PN pour raison de santé, non? Exact. Mais je suis guéri. Complètement. On ne guérit pas de son âge. Vous ne tiendrez pas le coup. Je n'ai pas le droit de me taire. Écoutez, Tanguy, je me suis refait une carrière ici. Vous pouvez pas foutre tout ça par terre. Mais c'est de votre peau qu'il s'agit. Mais elle m'appartient, ma peau. J'ai le droit de la risquer. Mais pas pour une connerie, allons. Pour moi, cette connerie, comme vous dites, vaut largement ma peau. Alors laissez-moi tenter honnêtement ma chance. Merlet, croyez-moi, il faut raccrocher maintenant. Je dois repasser tous les tests médicaux. S'ils sont favorables, vous serez bien obligé de vous incliner. Je suis prêt à parier que vous ne passerez pas.
Allons, Tanguy, soyez beau joueur. Je vous avais prévenu que j'avais retrouvé la forme. Oui, oui, j'ai appris. Les tests médicaux sont satisfaisants, bravo. Je suis très heureux. Et maintenant? Maintenant? Bah, une résurrection, ça s'arrose, hein? Alors, si je comprends bien, vous allez reprendre à votre compte les essais du Mirage, équipés de votre viseur. Exactement. Rien ne s'y oppose. Et souvenez-vous, Tanguy, vous êtes obligé de vous incliner devant l'avis de la commission médicale. Oui, je s'en fais. De toute façon, je pars en mission au Brésil pour une dizaine de jours, alors. Ah, alors, buvons à ma bonne santé retrouvée. À votre santé. Excusez-moi, hein. Pardon. Sacrée tête de mule. Il n'a pas changé, hein. Toujours à jouer les cheftaines. Ouais, ça, il a raison, faut être prudent. Oh, écoutez, vous devriez prendre une bonne cuite tous les deux, vous seriez peut-être un peu plus drôle. Ça va venir, ça va venir, vous verrez. Bonsoir, Maria. Vous avez pu échapper à votre oncle, le dragon des Andes. Chut, je me suis enfouie. Mais pourquoi est-il toujours derrière vous? Oh, c'est une histoire de famille, n'en parlons pas. Ah. Vous connaissez Madame Merlet? Oui, mais bien sûr, je la connais depuis mon arrivée. Bonsoir, Dolores. Bonsoir, Michel. Oh là, Marie. Bonsoir. Et si on allait prendre un verre? Allez, venez. Il y avait un fond d'avis, vous n'avez pas pris la photo? Aussi, j'en ai fait. Ah bon, j'espère. Voilà. Ah. C'est pas mal. Vous allez voir ce que je vais faire. Uno de Madera 15. Autorizaciones de despegar. Madera 15, autorización de despegar. Gracias. Qu'il soit là? Oui. Ah, il vous plaît tant que ça, Michel? C'est curieux, moi je vous fais rire et puis... Vous ne me direz rien. Non, n'ayez crainte. Vous venez? Où? Dans un endroit terrible. Mais en camarade. Malki. Nada todavía. Nada. Qué raro. No hay contesta. Llama otra vez. Madera 15, Madera 15 de Puno, ¿me oyes? Madera 15, conteste. Capitán Merlé. Debe estar corto de combustible. Puede ser solamente una falla de radio. Enrique, ¿has llamado a los campos cercanos? No saben nada de él ni en Piura ni en Talara. Algo le ha pasado. Vamos a buscarlo. ¿Pero buscarlo dónde? Su última llamada la ha pasado del paso de Porcuya en los Andes y hace más de una hora. ¿Su plan de vuelo? Su plan de vuelo es vago y es cuestión de un vuelo en navegación circular... a través de la selva y de los Andes. Si por lo menos tuviéramos algo preciso. El francés, la verdure. Merlet le enseñó su plan de vuelo a él. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está? Yo lo he visto esta mañana paseando con una chica. Ya sé dónde encontrarlo. Espérenme aquí.
Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il est complètement dingue, non? Ernest, Frank, Frank! Mais je m'en suis un porte-avions, je vais lui apprendre à maintenir avoir des moustaches, mais tu vas voir! Non, mais ça va pas! Il est dimanche! Loco! Suba! Suba! Et c'est prisa! Merlet est disparu! Il a disparu, quoi? Merlet a disparu! Vite, vite! Allez! Non, rien, Ernest, je ne sais pas conduire. Ernest, Ernest. Ben, d'après ce que m'avait dit Merlet, si je crois me souvenir, il avait l'intention de pousser jusqu'à Bagual, hein, puis de remonter jusqu'à la boucle du fleuve. Oui, c'est ça. Et de rentrer par les Andes, à peu près sur ce cap. Voilà. Il a aussi bien pu tomber dans la selva que dans la montagne. Bah. Mais la selva est bien grande. Très profond à ces endroits. Dis donc, sa femme est au courant? On est allé la prévenir. Alors, monsieur, venez. Ne perdons plus de temps. Allons. Chevalier du ciel, dans un frige tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel parfois pensent à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courageux malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse. La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel, dans un pays de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière.